Hey, j'ai une nouvelle paire de lunettes ce matin. Elles sont chouettes, non? Bon, je vois rien avec. C'est le seul problème. Ouais, je suis bigleux, quoi. Parfois, je me dis, putain, Alex, tu devrais te faire opérer. Le problème, c'est que l'opération, ça fait flipper, quoi. 99% de réussite. Ouais, mais il y a 1% d'échec. T'as l'air d'un con, quand même, quand c'est toi, le 1% d'échec. Ouais, ça a échoué, monsieur, on est désolé. Bah, écoutez... On vous souhaite bonne chance, puis on vous offre une canne d'aveugle. Voilà, et des lunettes de soleil. Si vous voulez prendre des cours de piano aussi, on connaît un prof. Imagine le premier mec à avoir fait l'opération des yeux. Ah bah ok, bah je veux prendre le risque, d'accord. Faut quand même avoir des grosses couilles, hein. Merci d'être le premier. Alors, bon, c'est sûr, hein, les lasers, on a testé ça sur des rats. Regardez le rat, là, qui est dans sa cage. Ben, on l'a opéré la semaine dernière. Ben, vous voyez, il n'a plus besoin de lunettes. Il n'y a pas une réduction par rapport au fait que je sois le premier? Ah non, monsieur, non. On a fait des tests sur les rats. Non, mais il n'a pas l'air très bien, le rat, quand même. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est après l'opération des yeux, on lui a injecté le virus du sida pour faire des tests. Voilà. Mais sinon, il va bien, hein. Ah putain, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Saint-Valentin pluvieuse, Saint-Valentin heureuse. Saint-Valentin, jour de l'amour et de l'amitié. À la base, c'est jour de l'amour uniquement, mais pour réduire le taux de suicide, ils ont dit jour de l'amour et de l'amitié. Moi, j'aime bien la Saint-Valentin. J'ai rien contre. Oui, d'accord, c'est commercial, ça a été inventé par les magasins Leclerc. Mais c'est pas très grave. Ça t'oblige pas à aller chez eux. Hein. Saint-Valentin, c'est un saint qui prenait l'amour et compagnie, machin. Il est enterré en Vendée, à Saint-Pierre-du-Chemin. Il y a ses reliques. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Une capote usagée et puis des bonbons pour les enfants. Je crois que j'allais m'acheter un pain au chocolat. Ah non, j'ai fait une tarte tatin. Oh, j'ai de la tarte tatin dans mon sac. Elle est pas dégueu en plus. Tu fais un petit caramel, tu le mets dans le fond du moule. Tu cuis légèrement tes pommes dessus. Ensuite, tu enfournes avec une pâte feuilletée ou une pâte brisée sur le dessus. C'est hyper facile à faire. Elle est trop bonne.